Hello everybody. Bonjour à toutes et à We are tous. still a minute to go before the official start of the webinar. Nous allons attendre We encore une minute first allow avant people to le still début enter. officiel de ce We webinaire, comme ça hope tout le monde pourra participants nous are still rejoindre. here and Je salue tous les participants et participantes qui sont déjà présents, présentes. Et nous allons commencer à pile pour avoir le temps de répondre à des questions aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous à notre webinaire sur la décarbonisation, les compétences et les individus. Je m'appelle Flaminia Tacconi, je suis juriste senior pour Client Earth et je travaille sur les subventions et dans le secteur de la pêche. Aujourd'hui, vous pourrez écouter et parler en français, en anglais et en espagnol, et vous aurez la traduction. Je vais commencer par une petite introduction et je donnerai la parole à nos orateurs. J'aimerais commencer ce webinaire, ce séminaire, avec une citation d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel chemin vous y amènera. Étant donné le contexte actuel de crise du climat et la biodiversité, le besoin urgent de changer notre modèle économique pour un modèle moins polluant, moins intensif en ressources et en énergie, y compris dans le secteur de la pêche, nous devons savoir exactement d'où nous venons et où nous voulons aller. Lors de notre dernier webinaire, j'ai exprimé ma vision de la transition énergétique du secteur de la pêche pour une transition énergétique socialement et écologiquement juste. J'aimerais vous rappeler la vision, un peu le contexte de ce webinaire. Dans les années à venir, j'aimerais assister à une transition énergétique du secteur de la pêche qui conduise progressivement à une pêche neutre en gaz à effet de serre, utilisant des engins de pêche moins gourmands en énergie et moins destructeurs. La décarbonisation ira de pair avec une transition vers une pêche à faible impact, permettant à l'océan et aux poissons de jouer leur rôle de régulateur du climat et de puits de carbone naturel et de prospérer dans le cadre d'un écosystème marin sain. Les communautés côtières prospéreront grâce aux activités durables de leurs pêcheurs locaux, mais aussi grâce à la beauté de l'environnement marin dont elles se sentiront responsables, qu'elles protégeront, honoreront et valoriseront. Les pêcheries se consacreront principalement aux poissons destinés à la consommation humaine et les consommateurs auront appris à manger moins de poissons de saison, mais de meilleure qualité, qui auraient été pêchés de manière durable dans les eaux de l'UE. C'est peut-être difficile, mais nous espérons qu'à travers ce webinaire, nous comprendrons les compétences que nous voulons pour ces personnes qui prennent soin de nos eaux et qui y pêchent. Je vais faire un récapitulatif de ce processus de décarbonisation. Cela a commencé avec la publication par la Commission européenne du plan d'action pour la transition énergétique en février 2023, donc un peu plus d'une année auparavant, et le lancement d'un dialogue avec les parties prenantes en juin 2023. Nous avons eu déjà deux ateliers liés à ce sujet sur le financement en novembre et un en février sur l'innovation et la technologie. Et cette semaine, le 19 avril, le dernier atelier est prévu sur les compétences pour la transition. Nous invitons la Commission à organiser d'autres ateliers ces mois prochains puisque ce dialogue est important. It is designed, this dialogue is
Et il est conçu pour aider la Commission européenne à développer une feuille de route pour la décarbonisation du secteur de la pêche d'ici fin 2024, avec des objectifs et, espérons-le, des délais qui seront adoptés et inclus dans les plans nationaux globaux pour la décarbonisation au niveau national. Et dans le même esprit de dialogue et d'échange, Bloom Association, Client Earth, Life et Oceana ont organisé ce court webinaire en tant qu'acteur actif de ce dialogue. Nous sommes impatients d'entendre nos trois intervenants, savoir d'où nous venons et quelles sont les compétences à développer qui sont nécessaires pour le bien, pour mener à bien la transition énergétique. Nous avons tout d'abord Didier Gasquel, je vais parler en français. À l'Institut Agro en France. Il dirige le pôle halieutique, mer et littoral au sein de cet institut de recherche et d'enseignement supérieur. Il est responsable pour un master en sciences halieutiques et aquacoles et il a récemment publié un livre intitulé « La pêche écologie, manifeste pour une pêche vraiment durable ». Then we will listen to Charles Bren. Charles Bren, and I will also introduce him in French, est un ancien marin-pêcheur en Bretagne. Il préside aujourd'hui l'association Pleine Mer qui s'engage pour la transition de la pêche professionnelle et il est associé de l'entreprise Poiscaille qui distribue sous forme d'abonnement des produits de la mer pêchés durablement et bien payés aux producteurs à 22 000 abonnés particuliers en France. And then we have Salva Manera. Salva is also an artisanal fisherman from Nous avons aussi Salva, qui est un pêcheur artisanal du Cap Creus, éducateur environnemental et communicateur scientifique. Il promeut la collaboration avec les scientifiques et les pêcheurs artisanaux. Il travaille au projet sur les déchets marins, la protection de la mer. Il développe des ateliers pour une pêche durable et pendant ces 6 dernières années, il joue un rôle crucial dans l'éducation sur la pêche et les fonds marins. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Didier. Pour que nous restions bien à l'heure, vous avez 10 minutes et je serai vraiment stricte sur le timing. Et vous avez à présent la parole. Bonjour à tous, je vais donc m'exprimer en français pour vous présenter les résultats d'une étude que nous avons conduite en France et partager avec vous un certain nombre d'idées. Donc, je vais partager mon écran. Je pense que vous le voyez arriver. Voilà, Flamina. Oui, très bien. Voilà, donc ma présentation aujourd'hui. Didier, il faudrait ouvrir l'écran pour qu'il soit en présentation, parce que là, on le voit tout petit. Donc, ce serait bien que ton propre écran soit grand. Oui, exactement. Que tu l'ouvres. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et alors, vous le voyez en mode présenteur, c'est ça? Non, tu peux le mettre en dessous, je pense, en mode présentation. Si tu vas à gauche, je pense que tu peux le faire. Oui, là, à côté, celui à côté, je pense. Un peu plus loin, l'autre. Non, non, l'autre, comme ça. C'est pas en mode présentation. Ah, c'est pour ça qu'on a fait un petit essai. Masquer le mode présentateur. Ah ben, non, ça, c'est le mode présentateur. Non, je crois que c'était bien avant, en fait. Alors, pardon, excusez-moi. Tu peux agrandir à nouveau ton écran. Alors, la présentation, elle est en haut, non? Je ne sais plus. Je vais partager. Mais tu es partagé, tu dois juste ouvrir ton PowerPoint. Oui, mais il ne s'ouvre pas dans le bon écran, parce que j'ai deux écrans. Ah! Ah, alors. Alors, il faudrait que j'arrête le partage, mais je n'ai plus la main pour arrêter. Ah si, pardon. Excusez, voilà, toujours le petit problème technique. Euh,
Là, Est-ce c'est que... très bien. C'est très Très bien. bien. Oui. Pardon, voilà. Pardon pour ce petit. Alors, donc, oui, je vais commencer par vous parler d'une étude que nous avons publiée en France récemment, qui concerne les flottilles françaises, l'essentiel des flottilles françaises, celles qui opèrent dans l'Atlantique nord-est. Mais je pense que c'est finalement un diagnostic qui est globalement valide pour les flottilles européennes. Et ce travail concerne l'évaluation des performances environnementales, économiques et sociales de chacune des flottilles françaises opérant dans l'Atlantique. L'idée, alors, par contre, moi j'ai plus mon PowerPoint, si voilà. Ah. L'idée, bien sûr, c'est que je vais me focaliser sur ce qui est le thème du séminaire, à savoir les émissions de CO2 dans une perspective de décarbonation, mais avec aussi en ligne de mire eh bien, les questions de transition écologique et sociale du secteur des pêches vers ce qu'on appelle la pêche écologie, la pesco-écologie en anglais. Alors, le travail, très rapidement sur la méthode, je ne vais pas la détailler, hein, le travail est basé sur les données publiques européenne, les données de l'Annual Economic Report, les données que récolte le STECF, les données d'évaluation de stock que relève, qu'établit le CUM. Et puis, la méthode, elle est essentiellement basée sur les travaux des différents groupes de travail, que ce soit les groupes de travail du CUM ou les groupes de travail du STECF. À partir de ces données et de ces groupes de travail, nous avons calculé pour chaque flottille de pêche, cinq empreintes environnementales. L'une qui concerne la surpêche, la seconde les captures de juvéniles, la troisième l'abrasion des fonds marins, la quatrième les risques de capture d'espèces sensibles, notamment de mammifères marins et d'oiseaux, et puis la cinquième par laquelle je vais commencer, qui sont les émissions de CO2. Et nous avons également, pour chaque flottille, calculé un certain nombre d'indicateurs économiques et sociaux sur les emplois directs à la pêche, les salaires, la valeur ajoutée, la profitabilité et puis les subventions. Les flottilles que nous étudions, elles sont structurées en... Alors, pardon, je vais le mettre en anglais. Les flottilles, elles sont structurées en fonction des engins de pêche majoritairement utilisés. Donc, il y a quatre grandes catégories, hein, les flottilles qui utilisent les engins passifs. Ligne, filet et casier, les chalutiers démersaux et les seines démersales en même temps, les chalutiers pélagiques, et puis enfin les navires qui utilisent au moins une partie de l'année des dragues à coquilles et qui sont souvent des navires très polyvalents. Et nous distinguons également trois catégories de taille de navire en fonction de la longueur des navires, entre 0 et 12 mètres les côtiers, entre 12 et 24 mètres les semi-industriels et au-delà de 24 mètres les industriels. Pour chacune de ces 12 flottilles, on a évidemment le nombre de bateaux. Vous voyez que ce qui domine en nombre de bateaux, ce sont les petits bateaux côtiers. À eux seuls, les petits bateaux côtiers qui utilisent des engins passifs représentent presque la moitié des flottilles françaises. Ce sont ce qu'on appelle les small scale fisheries les appellations de l'Union européenne. Et si on y rajoute, si on y rajoute les chalutiers pélagiques ou les seines pélagiques et les dragueurs, on est à trois quarts des flottilles. En termes de capture, les choses sont évidemment plus équilibrées. Ce très grand nombre de petits bateaux ne pèsent aujourd'hui que 10% des captures, alors qu'à l'inverse, les chalutiers démersaux et les chalutiers pélagiques représentent des volumes de capture très, très, très importants. Alors, si on regarde les émissions de CO2, ce qui apparaît tout de suite, c'est que pour un total de presque 700 000 tonnes d'équivalent carbone émis par les flottilles françaises, eh bien, 57%, nettement plus de la moitié, presque les deux tiers, viennent des chalutiers démersaux, et en particulier des chalutiers démersaux semi-industriels et industriels. Ce qui veut dire que quand on représente l'empreinte totale des flottilles de pêche françaises, et je pense que l'image n'est pas très différente au niveau européen, ce qui domine, c'est ce que nous avons mis ici en rouge. En rouge, ce sont les chalutiers démersaux
et en particulier donc ces chalutiers d'Emerceau de plus de 12 mètres. Ces deux secteurs-là représentent donc 7% des émissions, alors qu'ils ne représentent que 2,5% des navires et que 27% des débarquements. Ça veut dire que à chaque kilo de poisson produit, il y a des émissions très très importantes qui, pour ces deux segments-là, représentent 3,2 kilos d'équivalent CO2 par kilo de poisson produit. Donc clairement, le chantier de la décarbonation, il ne peut pas ne pas regarder cela et s'intéresser d'abord et prioritairement à ceux qui sont responsables de l'essentiel des émissions, c'est-à-dire les chalutiers d'Emerceau. Si on regarde les autres empreintes, je ne vais pas toutes les détailler, mais vous voyez que globalement, les chalutiers d'Emerceau, toujours en rouge sur ce graphique, représentent une part importante des captures issues de stocks surexploités, une part majoritaire des captures de juvéniles, et ça ne surprendra évidemment personne, l'essentiel, presque la totalité, en tout cas plus de 90%, de l'empreinte sur les fonds marins, de l'empreinte abrasion des fonds marins. Il y a un indicateur qui vraiment se distingue complètement des autres, c'est l'indicateur espèces sensibles, ou dans le cas des flottilles de pêche françaises, je ne suis pas sûr que ce soit le cas partout en Europe, ces captures d'espèces sensibles, mammifères et oiseaux, sont pour le coup essentiellement liées aux arts dormants, et notamment aux arts dormants côtiers. Alors, on peut représenter les empreintes d'une manière un peu différente. Vous les avez sur ce graphique-là. Celle qui nous intéresse, c'est l'empreinte CO2. Vous voyez que c'est un graphique dans lequel on met tout en valeur minimum, maximum. Donc, c'est bien les chalutiers d'Emerceau et notamment les chalutiers d'Emerceau semi-industriels qui ont l'empreinte maximum, maximale totale, comparée aux pélagiques. Qui ont des empreintes CO2 beaucoup plus faibles et les engins passifs des empreintes beaucoup plus faibles, les chalutiers pélagiques ayant une empreinte qui peut être forte en matière de surexploitation et les engins passifs une empreinte qui peut être forte en matière d'espèces sensibles. Alors ça, c'est l'empreinte globale en nombre de kilos de CO2. Évidemment, il est intéressant de la rapporter, alors de la rapporter soit à la tonne produite, soit à l'euro de valeur ajoutée produite, soit à l'emploi produit. Et vous voyez que dans tous les cas, le chalutier continue à avoir une empreinte importante et maximale en CO2, au moins pour une catégorie de taille, y compris par kilo. Ce sont parmi les engins, ce sont les engins qui ont la plus forte empreinte carbone. Donc on pêche beaucoup de tonnes. Mais à la tonne, on émet beaucoup de CO2 plus que d'autres. Si on raisonne en valeur ajoutée, alors toujours une empreinte très, très importante, un peu moins importante que finalement les chaluts pélagiques. Les chaluts pélagiques font beaucoup de tonnes, mais finalement, à la tonne, il y a une empreinte CO2 qui est importante. Et puis si on raisonne à l'emploi créé, par emploi créé dans le secteur des pêches, là aussi, l'empreinte des chalutiers reste importante, même si elle est dépassée par l'empreinte des chaluts pélagiques. Voilà, alors je ne vais peut-être pas détailler les dragueurs pour essayer de rester dans le temps. Alors, quelques indicateurs socio-économiques. Le premier, pour dire que en matière d'emploi généré, alors peu de différence hein, sur les salaires entre les flottilles, par contre, des grands contrastes en termes d'emploi généré. Par 1 000 tonnes que la mer veut bien nous fournir. C'est la mer qui nous fournit une certaine production. Et vous voyez que, y a des empreintes, y a des emplois générés très importants par les métiers passifs, hein, mais à l'inverse, les chalutiers industriels génèrent nettement moins d'emplois. Ceux qui génèrent le moins d'emplois, ce sont les chalutiers pélagiques. Deuxième type de résultat économique, c'est un résultat sur la rentabilité des entreprises de pêche. Et vous avez ici, dans l'axe des X, l'axe des abscisses, vous avez le ratio entre les subventions liées essentiellement ici à la détaxe dont bénéficie le gasoil, donc le ratio entre ces subventions et l'excédent brut d'exploitation. Et ce que vous voyez, c'est que
pour ces grandes flottilles de chaluts démersaux, mais également pour les chaluts pélagiques industriels, ce que nous disent graphiques, c'est que les subventions sont supérieures à l'excédent brut d'exploitation. Autrement dit, ces flottilles ne sont aujourd'hui rentables que de manière artificielle en raison de la détaxe du gasoil dont elles bénéficient. Et puis, deuxième élément qu'on peut regarder, c'est la valeur ajoutée produite tirée de chaque euro de subvention. Et vous voyez là aussi que eh bien, finalement, la valeur ajoutée produite par les subventions est très faible pour ces flottilles industrielles de chalutiers. Enfin, dernier résultat économique, pour dire que si on rapporte cette fois-ci la subvention en termes par emploi produit, eh bien, il y a une subvention très élevée pour les chaluts, pour les chaluts en général, hein. On subventionne beaucoup les emplois créés par le chalut, beaucoup plus qu'on ne subventionne les emplois de la petite pêche côtière. Et si on le rapporte à la tonne, eh bien, on s'aperçoit qu'on subventionne beaucoup les tonnes produites par ces chaluts industriels. Autrement dit, la conclusion de cette analyse, c'est qu'on subventionne aujourd'hui massivement les mauvaises flottilles, on donne beaucoup d'argent à ceux qui ont des empreintes écologiques très importantes et qui finalement créent peu d'emplois et peu de valeur ajoutée. Voilà, alors on a fait une typologie des flottilles, je ne vais pas la reprendre en entier, mais il est clair que quand on regarde nos indicateurs, eh bien, dans les flottilles qu'on peut classer comme ayant des faibles performances à la fois environnementales mais socio-économiques, eh bien, on trouve en premier rang les flottilles semi-industrielles et industrielles de chalutiers pélagiques. Autrement dit, c'est vraiment un message fort de mon intervention. Je pense qu'il n'y aura pas de décarbonisation du secteur, il n'y aura pas de transition sociale et écologique du secteur sans que on organise la sortie progressive. Et voilà, j'ai envie de dire, ce n'est pas demain matin, hein, mais il va falloir réfléchir à une sortie progressive du chalutage. Alors, du coup, c'est le travail qu'on est en train de faire actuellement. On est en train d'essayer de construire des scénarios. Vous l'avez vu, les chaluts représentent une part très importante actuellement des captures. Donc, il n'est évidemment pas question de sortir de flotte tous les chalutiers sans préparer un futur post-chalut. Voilà. Il va falloir inventer un futur post-chalut dans lequel on pourra continuer à pêcher, à prévisionner le marché, à provisionner les criées avec des captures qui viennent d'ailleurs que le chalut. Et ça, si on veut s'engager dans cette transition, eh bien, il faut l'organiser de manière progressive. Probablement, la première étape, c'est d'arrêter de construire des chalutiers neufs. Beaucoup des chalutiers sont âgés, il va y avoir un processus de renouvellement, il faut renouveler les chalutiers par d'autres types de pêche. Il faut, là où c'est possible, c'est pas possible partout, hein, à court terme, mais là où c'est possible, il faut essayer de redistribuer progressivement les quotas de pêche aujourd'hui attribués aux chaluts vers des navires qui utilisent plutôt des lignes ou des nasses. Éventuellement, mais il faut le regarder de près parce qu'il y a aussi des risques de capture accidentelle, mais éventuellement aussi sur du filet. Donc on sait qu'il y a des espèces aujourd'hui dans lesquelles des transferts de quotas sont possibles. J'en citerai un seul ici, c'est le cas des langoustines. Les langoustines sont aujourd'hui pêchées en France, et je pense dans la plupart des pays de l'Union européenne, exclusivement au chalut. D'autres pays, en particulier l'Islande, ont fait le choix d'une exploitation au casier. On sait qu'il est possible de pêcher la langoustine au casier. Plus généralement, il va Didier, falloir. Oui. juste un petit mot pour essayer de conclure rapidement parce Oui, que ça y est, je suis c'est à la généreuse. dernière. Je suis à la dernière. Parfait. Donc voilà, il faut créer des zones de test pour démontrer qu'on peut pêcher différemment, réinventer de la pêche à la ligne et au casier. Et puis surtout, il faut accompagner cette transition économiquement. Avec une redirection des subventions, la mobilisation des fonds FEAMP et la mobilisation de l'article 17. Voilà, et puis alors, dernière slide pour dire que, bien sûr, il y a des compétences dont on a besoin, et je pense qu'il y a des compétences très fortes à développer, à redévelopper chez les pêcheurs pour qu'ils se saisissent des enjeux de la gestion écosystémique des pêches, pour qu'ils comprennent mieux
les impacts écosystémiques des pêches et qu'ils s'en saisissent. Et puis, je pense qu'il y a des compétences à développer pour retrouver la pratique des métiers de la ligne, du casier, en particulier, et des nasses à poissons. Voilà, et puis juste, pour ceux qui le voudront, vous avez là le lien vers les rapports. Voilà, je vous Merci remercie. beaucoup. Merci beaucoup, Didier. Les liens, on les remettra aussi sur le site web sur lequel il y aura aussi l'enregistrement de cet événement. Merci. Maintenant, sans attendre une minute, je passe la parole à Charles. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Flaminia vous l'a dit, moi je suis président de l'association Pleine Mer qui travaille à inciter à la transition dans le secteur de la pêche en France et en Europe. La transition sur tous ses volets écologiques, économiques et sociaux, un petit peu comme Didier Gasquet l'a présenté. À côté de ça, donc, je suis associé de Poisca, qui est une entreprise de circuits courts de pêche écologique. Mais donc pour vous parler aujourd'hui de décarbonation, j'ai plusieurs recommandations, mais pour déboucher là-dessus, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. C'est pas que je suis passionné par ce que j'ai fait, mais ça éclaire pas mal ce que je peux vous raconter. Donc il y a une quinzaine d'années, j'étais très souvent à la Commission au Parlement européen parce que j'étais salarié du WWF France sur les questions de pêche. Et au bout d'un moment, j'ai souhaité devenir marin pêcheur pour justement essayer d'engager la transition, au moins de pouvoir, enfin la mienne, et essayer de voir comment on pouvait essayer de bouger le secteur de l'intérieur. Donc deux exemples assez parlants. En 2011, j'ai dû retourner à l'école pour devenir capitaine de pêche. Donc j'ai eu 6 mois où je suis retourné à l'école, et donc j'étais en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, dans le nord de la Bretagne, au bord de l'eau. Et tous les soirs, après les cours, j'allais pêcher en canoë-kayak, donc juste avec une pagaie. Et je me suis rendu compte, parce que j'étais pas mal doué pour pêcher le bar, en fait, en étant un peu malin et un peu patient, on pouvait éventuellement avoir une réalité économique avec une pratique qui était clairement là, zéro CO2, quoi. C'était juste mes muscles et ma canne à pêche. Et par curiosité, je suis allé rencontrer les affaires maritimes, donc les autorités officielles des bateaux en France, et on m'a répondu que c'était impossible de devenir professionnel, par exemple, sur un canoë. Premier exemple. Ensuite, je me suis installé à la pêche, j'ai travaillé à la création d'une structure associative aussi pour représenter les petits bateaux, qui s'appelle la plateforme Petite Pêche, qui est une des structures qui est fondatrice de Life, qui est présente aujourd'hui. Et à côté de ça, j'ai travaillé sur un projet, parce qu'en France, à l'époque, il y avait un appel à projet de l'État et de l'Agence française de l'énergie sur ce qu'ils appelaient le navire du futur. Et donc, j'ai travaillé avec des ingénieurs, avec des mécaniciens, sur le concept d'un bateau avec le moindre impact possible. Donc, il y avait un projet de coque en lin bio. Il n'y avait aucun gasoil à bord, c'était uniquement un petit moteur électrique et un soutien avec une voile, donc un grand génois, une voile sur enrouleur qui gênait le moins possible la pêche. Donc on est allé très loin dans le processus de sélection de cet appel à projet qui a duré 2 ans, c'était extrêmement sérieux. Et à la fin, en fait, l'État français a refusé notre projet finalement. Et finalement, l'enveloppe qui était en millions d'euros, hein, est allée à la conception d'un super chalutier plus ergonomique et qui allait économiser une quinzaine de pourcents de gasoil de mémoire. Enfin, clairement, on était très déçus, mais ça éclaire un petit peu, et ça rejoint notamment certaines revendications de Didier Gasquel juste avant. Et deuxième, deux sujets encore d'actualité. J'ai accompagné deux structures associatives en France depuis ces 10 ans qui souhaitent aussi retravailler sur la voile comme propulseur au moins accessoire pour la pêche. Donc deux structures associatives, une qui s'appelait Voile au Travail, qui essayait d'aller repêcher le thon germont dans le golfe de Gascogne à la voile et à la traîne. Et c'est pas une hérésie, parce que c'est comme ça qu'il a été pêché pendant des décennies par les pêcheurs, notamment du sud de Bretagne. Et un deuxième projet qui est actuel, qui s'appelle Skravik, et qui est aussi un projet de catamaran à voile, qui essaye de remettre la voile et de retester des techniques de pêche douce avec comme propulsion majoritaire la voile. Donc en fait, on se rend compte que les contraintes sont énormes, les freins sont permanents. Et donc, pour synthétiser, moi, il y a trois grandes demandes, je pense, ultra importantes de la part du secteur, ou du moins des personnes du secteur qui ont vraiment envie d'engager la transition et la décarbonation. La première, et ça rejoint Didier Gasquel, c'est de favoriser
vraiment les méthodes de pêche les moins gourmandes en énergie. Et ça tombe bien parce que c'est les méthodes de pêche les plus écologiques en termes d'impact, les mieux disantes économiquement et qui vont générer le plus d'emplois au regard d'un volume limité et contraint. Les financements, donc là, je vous ai parlé de l'appel à projet français, mais j'imagine que ces appels à projet, il y en a au niveau européen, il y en a dans chaque État membre. Il faut aujourd'hui que les projets financés d'innovation pour les nouveaux bateaux soient fléchés vers ces techniques. Donc ça veut dire, oui, travailler sur l'électrique, sur la voile, par exemple, il y a des initiatives en France, mais ailleurs aussi en Europe, pour pêcher, par exemple, la coquille Saint-Jacques en plongée. Donc en fait, il y a juste besoin de se déplacer sur la zone et après, il n'y a plus besoin d'énergie pour la pêche, uniquement à la force des palmes. Donc toutes ces choses-là doivent être favorisées et les financements et les innovations doivent être ciblés par les États membres et l'Union européenne sur ces techniques-là. Et enfin, ça c'est le cas pour la France aussi, mais j'imagine que c'est les mêmes contraintes que subissent mes collègues européens, c'est les normes administratives techniques. Aujourd'hui, en France, il est quasi impossible de faire enregistrer un bateau à voile comme bateau professionnel. Donc il faut aussi que la Commission, que le Parlement, que le Conseil de l'Europe, tout le monde appuie un peu sur les États membres pour essayer au moins d'avoir des dérogations et de permettre qu'il y ait des initiatives qui se lancent et qu'on puisse engager réellement cette transition. Sinon, ça reste uniquement des discours dans les grands messes et dans les grands rassemblements politiques, mais sur les quais, le concret, quand nous, on essaye de monter des projets, on est bloqué de manière administrative. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci à vous. Merci beaucoup, Charles. Non, pas du tout long. On a récupéré tout le temps de Didier, donc c'est parfait. Et comme ça salvera ces 10 minutes. Par contre, je demanderai aux personnes qui participent au webinaire de poser les questions dans la petite case qui s'appelle Q&A, parce que sinon, moi, je dois suivre sur la chat et sur le Q&A. Et ça va être compliqué. Donc, merci juste de faire attention à cela. I will give the floor to Salva. Salva, thank you very much for being here. Donne la parole à présent à Salva. Then we Merci will start. pour votre présence et nous allons commencer avec votre présentation. Hola, buenos días. Muchas gracias por darme la Bonjour, oportunidad de poder expliquer merci las beaucoup pour inquietudes de un pescador cette artesanal. opportunité et de me permettre de partager les inquiétudes d'un pêcheur artisanal. Merci pour ces présentations très, très techniques et très intéressantes. Je vais vous expliquer quelle est mon expérience de la pêche artisanale, de la lutte que je mène avec les différentes organisations espagnoles, la Commission européenne et les éléments qui n'ont toujours pas été autorisés. Il s'agit d'un projet que je vais vous présenter. Vale, Lucy, Est-ce próxima. que vous pouvez partager la diapositive suivante? J'ai développé il y a à peu près 7 ans une étude pour comprendre la condition des flottes que nous avons en Catalogne, pour voir combien nous avons de navires. Et nous avons compris que l'âge moyen de la flotte était de 31 ans pour des navires qui sont faits en bois. Et nous avons pu développer un bateau électrique. J'ai donc réalisé une étude où j'ai rendu visite à tous les pêcheurs et toutes les organisations de pêcheurs en Catalogne pour comprendre les besoins afin de créer ce navire, cette nouvelle flotte, à savoir quelles étaient les meilleures options. J'ai donc récolté des données. Et nous avons développé un type de navire. Alors, la diapositive suivante. Nous avons donc créé un bateau électrique
afin de décarboniser la flotte que nous avions à ce moment-là en Catalogne et pour réduire les émissions CO2, mais également pour avoir un échange intergénérationnel avec la nouvelle génération et les professionnels. Nous avons pu travailler de manière numérique. Et cette étude a été financée par certains fonds européens, mais lorsque j'ai demandé à changer mon bateau pour un bateau électrique, l'on m'a répondu que c'était impossible. Puisque l'on ne pouvait pas construire un bateau avec ce genre de subvention, j'ai été très surpris par cette réponse parce que j'ai passé beaucoup de temps à rencontrer différentes organisations. J'ai été défendre ce projet au sein de l'Union européenne. À présent, il y a de nouvelles législations. Et l'on voit que ces normes sont toujours applicables. Nous sommes donc à présent dans un processus où nous voulons la décarbonisation, mais il n'y a pas de subvention pour permettre aux pêcheurs de développer de tels bateaux. Nous voulons également transmettre aux nouvelles générations cette nouvelle manière de pêcher. Comme je l'ai dit, nous avons travaillé bon nombre d'années sur ce projet. Et lorsque Flaminia a proposé ce webinaire, c'était en lien avec cela, toutes les compétences dont nous avons besoin en tant que pêcheurs pour aller de l'avant. On parle bien sûr de cette situation au sein de l'UE. On parle de cela avec les différents pêcheurs. Et nous ne pouvons pas toujours être attentifs à cette administration qui est parfois obsolète. La plupart des normes sont arbitraires. On ne peut même pas tester nos projets. On ne peut pas tester le pilotage de tels bateaux. C'est pour cela que nous avons besoin de personnes et pour voir développer l'avenir en tant que pêche artisanale. Bien sûr, la pêche au chalut est une grande problématique, c'est le cas en France, mais aussi en Espagne. Et les organisations de pêche défendent ce type de pêche. Même si les pêcheurs artisanaux ont une flotte bien développée, bien liée aux côtés, au territoire, l'on ne peut rien faire face au pouvoir de la pêche au chalut. Et si l'on ne fait pas face, nous, les pêcheurs artisanaux, nous sommes finis. Alors on a besoin de soutien technique, on a besoin d'être soutenu par ces personnes pour se développer au niveau technique, pour que la pêche artisanale soit la seule qui puisse survivre. Mes grands-parents, par exemple, avaient les olives et ils avaient la pêche. Il s'agissait d'une pêche pour survivre, mais sans matériel, ce n'est plus possible de soutenir cette extraction intensive. Il y a des espèces qui, en plus, disparaissent de plus en plus. On ne peut plus subvenir aux besoins des supermarchés, des consommateurs. Il faut faire une différence au niveau de la pêche.
Avec un bateau de 10 mètres, j'ai besoin d'avoir cette étiquette de durabilité. Et les consommateurs doivent comprendre d'où vient le poisson et que ce poisson soit pêché de manière durable. C'est la manière dont nous pouvons protéger l'environnement. Et nous devons nous différencier des autres types de pêcheries qui produisent et pêchent de manière à porter préjudice à l'environnement. Mais c'est pour ça que l'étiquetage dans les supermarchés est crucial, sinon le consommateur n'a pas idée de ce qui se passe. Nous devons observer la mer d'une manière différente, voir cela sous un autre prisme et garder cela à l'esprit. Nous devons montrer que nous sommes les survivants de cette industrie. Et nous voyons aussi que les jeunes ne savent pas comment cuisiner, ils ne savent pas comment pêcher. Donc, je pense que si nous continuons ainsi, à l'avenir, plus personne ne mangera du poisson, car cela va devenir trop cher pour le consommateur. Et c'est lié aux problématiques que nous avons soulevées et aussi au fait que l'UE ne nous aide pas. L'UE ne nous aide pas à la transition. De passer à un bateau traditionnel, à un bateau électrique pour la mer Méditerranée, la Bretagne. Bien sûr, cela dépend de la région. Le bateau doit être créé en fonction du littoral. Mais sans cela, la décarbonisation n'est pas possible. Ensuite, vous voyez le bateau que j'ai évoqué. Il s'agit d'un catamaran qui fonctionne à l'hydrogène, pas seulement électrique. L'on voit qu'il n'y a pas de combustible carbone utilisé. Et cet engin fonctionne à l'électrique, c'est plutôt attractif pour les jeunes générations, surtout pour les jeunes qui respectent l'environnement et qui veulent travailler dans le silence, notamment. Ce bateau a donc été créé aussi pour pratiquer l'écotourisme ou la pêche de tourisme, comme on l'appelle. Cela permet de présenter différents services. Vous n'avez plus que 2 minutes. Vous avez le même temps que Didier ensuite. C'est ce que je vous expliquais. En termes de fonds et de subventions, il est difficile d'en obtenir pour ce type de bateau. Et en termes de compétences, nous devons comprendre comment utiliser les outils numériques, avoir un soutien technique, garantir un étiquetage durable sur nos produits pour faire la différence. Donc, c'était là vraiment un résumé de ce que je voulais vous présenter. Merci beaucoup, Salva. Chers participants et participantes, c'est à votre tour de poser des questions à nos orateurs. Je vois que nous avons une question de la part d'Hendrik qui concerne tout d'abord Didier, mais les autres peuvent répondre également.
Alors, Hendrik, vous pouvez allumer votre caméra, poser la question. J'aimerais bien avoir cette interaction. Donc, si c'est possible, si ce n'est pas le cas, eh bien, je lirai la question d'Hendrik. Go ahead, Hendrik. Allez-y, Hendrik. Do you hear me now? Yes, we hear you, Hendrik. Go ahead. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien, bon après-midi. Alors, ma question est un peu de savoir comment vous pensez que les pêcheurs qui sont en effet sur des chalutiers vont effectuer une transition vers des méthodes de pêche plus durables. Didier, je vous donne la parole et ensuite Charles ou quiconque souhaite en prendre la parole pourra prendre la parole. Évidemment, c'est une question très importante. Il n'y a pas de solution miracle. Hein. Je pense que c'est un mixte. Il doit y avoir clairement une politique d'incitation et d'accompagnement. Voilà. Je pense qu'il y a une partie des pêcheurs, notamment la jeune génération, qui s'installent déjà, lorsqu'ils s'installent à la pêche, dans des modes de pêche plus durables, et un certain nombre d'entre eux qui veulent aller vers des modes de pêche plus durables. Mais souvent, ils ont besoin d'être accompagnés. Donc, moi, je prétends qu'on devrait utiliser les fonds du FEAMP, les fonds européens d'accompagnement à la pêche, massivement, pour accompagner ces pêcheurs qui veulent passer du chalut à des engins. Il faut donner envie aux pêcheurs. Et je pense aussi que ça passe par le développement de ce que j'ai rapidement évoqué, ces living labs de la mer, ces zones tests, ces zones de démonstrateurs où les autorités publiques, les États décident de fermer une zone au chalut et d'autoriser de la pêche. Alors, il faut voir les cas d'études, hein, ici à la langoustine au casier, ailleurs pour tester du poisson à la ligne ou au casier, et où on met les moyens de la recherche, les moyens des subventions pour accompagner cette transition. Ça va sûrement prendre du temps. Hein. La sortie de la dépendance au chalut va prendre du temps et va s'étaler. Mais je pense que nous avons devant nous 10 ou 20 ans pour faire cette transition. Et on peut la démarrer dès aujourd'hui, notamment en décrétant qu'on n'a pas de chalut nouveau. Merci beaucoup, Didier. I would like to ask just one element, because I know Hendrik. Alors, un petit point, parce que je connais Hendrik, et Hendrik est justement un de ces jeunes pêcheurs, un de ces jeunes pêcheurs qui, je l'espère, souhaite ou aspire tout du moins à cet aspire radieux pour les pêcheries. Il est très jeune, j'insiste. Alors, je ne sais pas, Charles, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Si pas, il y a d'autres questions. Charles. Je vais. Merci. Je vais pas redire ce qu'a dit Didier Gasquel, mais il y a un élément d'accompagnement qui est assez fort. C'est un accompagnement psychologique parce que au-delà de la rationalité de la transition nécessaire, et elle l'est, et je pense que même beaucoup d'armateurs ou de patrons de chalutiers le savent, l'énergie ne va pas baisser en coût, et donc leur modèle économique, il est de toute manière voué à s'écrouler. Et moi, je vis en Bretagne, Didier aussi, on a vu se succéder des crises et des fameux plans de sortie de flotte dramatiques, argent public, destruction de navires. Alors, l'armateur récupère des sous, mais les salariés, les matelots, eux, ils repartent avec rien du tout. Donc, il y a un accompagnement psychologique parce que aussi, faut pas le minorer, mais beaucoup de ces familles, les pères et les grands-pères étaient sur des chalutiers, donc le renier, c'est salir l'histoire familiale. Donc, au-delà de la rationalité et de la transition nécessaire, il y a un accompagnement psychologique. Et je réinsiste sur ce qu'a dit Didier, sans accompagnement de la structure publique, il y a pas de salut. Il est impossible de... On est plein... Je suis ravi, moi, de voir Salva ou Hendrik et de voir qu'on n'est pas tout seul à faire des essais, à vouloir engager la transition sur le terrain, mais qu'en fait, aujourd'hui, le premier frein, il est des États, en fait, il est de la réglementation. Donc, il va falloir qu'on incite à la possibilité à ces tests. Et je crois vraiment aux vertus de l'exemplarité. Si on montre
aux jeunes générations qu'on peut pêcher avec moins d'énergie, un peu plus de confort à bord, en faisant un super produit et qu'on est applaudi pour ça et admiré pour ça par le grand public, on va susciter les vocations et la transition de ceux qui sont encore aujourd'hui au chalut. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles. I don't know if Hendrik, you unmuted yourself. Merci beaucoup, Charles. Alors, Hendrik, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ça. Si pas, je vais demander peut-être à Mercedes Salas de poser sa question. Mercedes Salas, si vous voulez prendre la parole. Hendrik, go ahead. Hendrik, je vous en prie, il y a tout un brouhaha, mais si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, vous avez l'autorisation. Alors, je pense qu'il est très important d'avoir des modèles commerciaux durables. Attention, on doit surtout penser à cela. Vous savez, moi, j'ai commencé à effectuer une transition vers moins de CO2 et je continue sur cette voie-là. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il est avant tout important d'avoir ces modèles commerciaux durables. Et j'espère que nous, à l'avenir, on réfléchira surtout à ça. Et oui, bien entendu, vous avez raison. La technologie, c'est important. Mais le soutien psychologique l'est également. Et ça doit être en place. Parce que on a tendance à oublier la durabilité et la pérennité financière de ces modèles commerciaux. Et ça peut engendrer des problèmes psychologiques aussi. Voilà. Et j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Oui, merci. Fabuleux. Très bien. Merci pour cette intervention. Et merci pour cet échange. Alors, Salva souhaite prendre la parole. Donc, Salva, vous avez la parole. Je voulais ajouter un petit point. Il est très important, tout du moins chez nous, il est très important d'avoir un transfert des connaissances scientifiques aux pêcheurs. C'est un point de plus en plus important, année après année. Il est important de transmettre cela aux pêcheurs pour que les pêcheurs puissent faire entendre la voix. Nous voyons ce qui se passe et il est important d'avoir une autoroute à deux sens. Le transfert des connaissances doit se faire des scientifiques aux pêcheurs et des pêcheurs aux scientifiques, car c'est grâce à cette autoroute à deux sens que l'on peut réellement créer une conscience collective et faire croître également nos affaires commerciales. Mais écoutons avant tout la mer grâce à cette collaboration. Chez nous, ce genre de collaboration a beaucoup aidé à moult reprises à créer une pêche plus durable. Ayons ça à l'esprit simplement. Merci beaucoup, Salva, pour votre intervention. Maintenant, Mercedes, si vous souhaitez prendre la parole en direct, je vous y invite. Si pas, je peux lire ce qui est écrit. Go ahead, Mercedes. Mercedes, à vous. Mercedes, you have the floor. You can talk. Mercedes, vous pouvez prendre la parole. Okay, it doesn't bon, apparemment, ça ne marche pas. Je vais simplement lire ce qui est écrit. Mercedes demande, pourriez-vous nous parler davantage de ce qui se passera vendredi prochain sur la proposition de décarbonisation de la pêche? Alors, je ne suis pas à la commission. Je pense qu'il y a des collègues de la commission qui devraient être là. Alors, il n'y aura rien de concret sur cette proposition pour la feuille de route pour l'instant, mais cet atelier sera concret et permettra d'échanger sur les compétences nécessaires pour les gens qui seront impliqués dans ce processus de décarbonisation. Et donc, cela fait partie de notre échange aujourd'hui. Et aujourd'hui, on essaie de voir quelles compétences sont nécessaires dans ce processus de décarbonisation pour voir ce qui doit être réajusté pour orienter le curseur comme il faut dans ce processus de transition. Voilà. Voilà donc pour répondre à Mercedes. Je ne sais pas si quelqu'un, Anna peut-être, de la commission souhaite compléter mon propos et être plus précise sur cet atelier. Moi, je n'ai pas le lien vers cet atelier, mais on pourra peut-être aussi le partager sur notre site web ou sur le chat.
Yes. Bref. Yeah, Mercedes has trouble with the mic. Mercedes a un petit souci avec son micro. I don't see other Je ne vois questions. pas d'autres questions. So maybe I will take Alors, je vais this peut-être opportunity simplement saisir cette occasion to pour give my final vous faire part de words mes remarques because de conclusion. then we stay on time and Comme ça, on terminera we à don't l'heure. steal any time from anyone. So I would like to inform you that from the J'aimerais technical vous Anna cannot informer. open the micro. Can we allow Anna to Alors, open the micro Anna n'arrive as she pas give the à information ouvrir son micro. Elle pourrait pourtant that partager Mercedes des is not responding. informations pour répondre à la question de Mercedes. Yes, Anna, go Est-ce que vous ahead. m'entendez? Oui. Hi, good afternoon. Thank you for taking my Bonjour. mic. I was trying to see how to use the Merci pour manual, le but micro, je n'arrivais finding pas it. à l'allumer moi-même. Regarding, so first of all, thank you for Tout this d'abord, workshop merci pour and cet for all the atelier discussions. et merci pour les discussions For tenues the workshop that we will be et holding pour on l'atelier Friday, qui aura it lieu is with a set of courses that we vendredi. have been Il organizing s'agit within d'une the série Transition Partnership that we d'ateliers que launched nous last avons year in organisés June, pour le partenariat de transition que nous avons also lancé en juin dernier. courses of the actions Également dans behind it, le announcement that we processus made d'action implémenté on the Energy et Transition Vision la and also communication lancée sur the la goal transition of this pour la partnership is to pêche et have l'aquaculture. Le but, this c'est d'avoir une plateforme où tous les différents acteurs et parties prenantes de tout le domaine qui sont connectés aux pêcheries et à l'aquaculture et qui ont un intérêt pour la transition peuvent se rassembler et discuter. Et on voit des discussions qui ont lieu seulement dans des petits groupes. Donc, à partir de là, on pourrait vraiment profiter des discussions et par là même, cela nous permettra d'avoir des informations de la part des parties prenantes par rapport aux obstacles, à la transition, aux solutions qui sont envisagées dans l'industrie. Et cela nous servira à avoir des réflexions au sein de notre service pour être préparés grâce aux résultats, à ce que l'on tire de tous ces ateliers que nous avons organisés sur ce partenariat de transition, sur la feuille de route pour l'avenir et aussi pour avoir un suivi sur la communication et pour définir les directions à venir sur la transition. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment une discussion avec différentes parties prenantes qui se concentrent sur les compétences. On s'est basé sur les finances en novembre. En février, on s'est concentré sur l'innovation, les technologies. Et cette fois, on va se concentrer sur les compétences. Je pense que l'enregistrement est maintenant clôturé puisqu'on s'approche vraiment de la date et qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont inscrites en ligne. Il y a peut-être encore des places en personne, en ligne, mais pardon, en ligne, c'est déjà clôturé. Et c'est un peu plus compliqué de gérer toutes ces discussions en ligne également. Voilà. Merci, Flaminia. Merci beaucoup, Anna, pour votre intervention. Nous avons une autre question de Cyrielle Goldberg, si vous voulez directement poser la question ou si je dois la lire, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez répondre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Cyrielle, parfait. Juste une question pour savoir si on utilise cet argent des exemptions, est-ce qu'on peut les utiliser différemment en créant des systèmes qui encourageraient les nouveaux pêcheurs à utiliser d'autres engins. Je n'ai jamais lu quoi que ce soit sur le sujet, pourtant ce serait un sujet assez important.
Merci beaucoup, Cyrielle. Peut-être que Didier a des informations là-dessus. Je n'ai pas le chiffre là sous la main, mais c'est des choses qu'on regarde. Les subventions pour des taxes représentent des montants extrêmement importants. En même temps, je veux être un peu prudent, hein. Moi, je ne réclame pas la suppression, en tout cas pas demain matin, de la taxe, parce que ça serait, voilà, la plupart des entreprises de pêche feraient faillite. Ça serait une façon de guérir le malade en tuant le malade. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Je suis plutôt pour l'utilisation massive des fonds du FEAMP, mais aussi l'utilisation de l'article 17 de la politique commune des pêches qui permet de donner des bonus de quotas à ceux qui utilisent les modes de pêche les plus vertueux. Voilà. Donc, je suis pour une politique incitative et je pense que si on utilise cette politique incitative, du coup, il y aura moins besoin de gasoil, donc moins besoin de des taxes et on dégagera des recettes qu'on pourra investir pour accélérer le mouvement. Voilà. Mais je pense qu'il faut y aller très, très prudemment parce que voilà, aujourd'hui, la pêche est... c'est peut-être triste à dire, mais très dépendante. On a derrière nous plusieurs décennies pendant lesquelles on a massivement financé le gasoil et on a mis le secteur dans une espèce d'impasse parce que aujourd'hui le secteur est plus rentable. Il faut simuler les choses pour les faire de manière progressive. Merci beaucoup, Didier. Charles, veux-tu ajouter quelque chose? Je t'ai vu. Non, c'est bon. Je pense que nous allons clôturer cet événement. Et j'aimerais juste partager des mots de conclusion, peut-être un ou deux points soulevés par nos orateurs. Cyrielle, nous avons deux rapports sur notre site où nous avons essayé d'évaluer les montants de ces exonérations de taxes. Donc, vous pouvez trouver cela, sinon me contacter également pour que je puisse vous envoyer ces rapports. Didier nous a invité à évaluer les performances des flottes de l'UE, comme il l'a fait pour les flottes françaises, et de passer à des flottes plus performantes en termes économiques et sociaux, mais aussi pour l'environnement, et pour la flotte française, mais aussi pour la flotte de l'UE, nous devons nous détacher graduellement de la pêche au chalut, ce qui nous permettra une transition vers une pêche écologique. Charles, je retiens trois recommandations et je vais parler en français. Favoriser les méthodes de pêche les moins gourmandes en énergie et qui résultent être aussi les plus écologiques. Et ça rejoint Didier. Financer l'innovation pour la petite pêche comme la voile plutôt que financer des études pour les gros chalutiers. Et ça rejoint Salva avec son exemple de bateau et électrique. Et aussi, alors c'est pas c'est assouplir les normes pour les bateaux professionnels afin d'aider à la transition et soutenir les pêcheurs afin d'acquérir les compétences nécessaires en ce sens. And Salva would like that fishers are better supported in developing. Et Salva voudrait que les pêcheurs soient mieux soutenus pour développer leurs capacités numériques et qu'ils soient plus efficaces dans leur travail. Il veut une plus grande connexion avec les scientifiques et les pêcheurs pour que nous soyons les yeux de la mer. Et Charles et Salva expliquent qu'il faut ajuster le cadre réglementaire pour emprunter ce chemin de l'innovation et de la transition. Et il y aura un autre webinaire sur les changements administratifs. Et je pense qu'on formera une bonne équipe.
À présent, je clôture. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Ces discussions étaient très intéressantes et merci pour ces échanges. J'aimerais vraiment remercier grandement Dave Walsh qui soutient l'équipe technique. Merci à Lucy Goodall pour le soutien technique et également un grand merci à l'équipe d'interprètes qui nous a permis de communiquer. Nous aimerions aussi vous rappeler que nous avons un site www.decarbonizednow.ue où vous pouvez trouver bon nombre de rapports, d'informations sur la décarbonisation et comment vous enregistrer pour les prochains webinaires et suivre les webinaires passés. Et je vous souhaite une magnifique journée de printemps. Merci beaucoup pour votre participation. Bye bye, everybody.